voir ensemble ce qu'est une note pointée. Une note pointée, c'est l'utilisation d'un point qu'on va placer à la droite de la note ou de la figure de silence pour allonger sa durée. Rien de mieux qu'un exemple pour pouvoir bien comprendre. Si je prends, par exemple, une blanche pointée. Ce qu'il faut réfléchir tout d'abord, c'est combien de temps va valoir notre blanche. Elle vaut 2 temps. Maintenant, pour connaître ce que vaut le point, on va faire la moitié de la valeur de la note ou du silence qui se retrouve avant. Donc, notre point va être l'équivalent de la moitié de la blanche, donc la moitié de 2 temps. N'est-ce pas? La moitié de 2 temps, c'est équivalent à 1. Effectivement. Donc ici, on va faire le calcul. 2 plus 1 égale 3. Donc, la blanche pointée va être égale à 3 temps. Si je vous fais un autre exemple. Une croche pointée. La croche pointée, on va faire le même fonctionnement. On sait que notre croche vaut 1 demi-temps. Puis, on sait que le point juste ici va valoir la moitié de la valeur de la note qui se retrouve avant. Donc, la moitié d'une demi, ça va être équivalent à la moitié d'une demi, un quart. Donc, notre point, ça va être un quart. Une demi plus un quart, ça va être équivalent à 3 quarts de temps. Donc, notre croche pointée vaut 3 quarts de temps. Un dernier exemple. Si j'ai, par exemple, une ronde pointée. Donc, j'ai ma ronde ici. Et je veux savoir combien de temps va valoir la ronde pointée. Notre ronde vaut 4 temps. Le point vaut la moitié de la ronde, donc la moitié de 4, c'est équivalent à 2. Donc, le point vaut 2 temps. Donc, en tout, notre ronde pointée va être équivalent à 6 temps. Sache que tu peux faire la même chose avec les silences. Si je prends, par exemple, la demi-pause, la demi-pause, tu sais qu'elle va valoir 2 temps, et que j'y mets un point juste à côté, ça va être équivalent de 2 plus 1, ça va être 3 temps. J'espère que tu as bien compris la notion de la note pointée. Si jamais tu as des questions, ne te gêne pas, écris-moi.